Eh bien c'est tous amis, c'est Abrakan4, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attendais un petit peu à faire parce qu'il faut que je vous explique un truc par rapport que je vous avais annoncé juste avant un projet que j'étais en train de réaliser sur Shadowgun Wargames. Allez c'est parti. Donc, désolé pour cette intro un peu pourrie, je savais pas trop quoi dire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler, excusez-moi, je me regarde, voilà, pour parler d'un projet que je suis en train de faire. Alors, excusez-moi, je règle aussi le micro. Alors, c'est un projet en fait par rapport à Madfigure Games. Pas vraiment Madfigure Games, par rapport à Shadowgun Wargames. Donc c'est pour ceux qui me suivent, c'est un jeu qui en ce moment me passionne énormément. C'est même pour moi le meilleur jeu, je joue qu'à celui-là. Qu'est-ce que c'est en fait Shadowgun Wargames? C'est un jeu mobile, un PVP jeu mobile, thème... Alors il y en a beaucoup que ça fait penser à un Overwatch, personnellement je trouve pas trop. Enfin bref, c'est un PVP avec des beaux graphismes et tout, qui a un énorme potentiel. Pour moi c'est même pour ça que c'est pour moi le meilleur jeu. Malheureusement il est vraiment mal noté, je crois qu'il tourne dans les alentours de 3,9 étoiles sur le Play Store. Du coup il est vraiment mal noté et du coup j'ai décidé de faire un projet. Alors, faut savoir aussi que là, en ce moment, j'ai envoyé une demande de partenariat avec Madfigure Games. Ils m'ont répondu, ils m'ont demandé de leur envoyer, ils me remerciaient et ils me demandaient de leur envoyer un lien de ma chaîne. Donc, je l'ai fait, j'attends juste une réponse. Il y a de grandes chances que ça ne se fasse pas parce que je ne suis pas encore un YouTuber avec assez d'abonnés. Donc, je pense que ça sera non, mais au moins, je leur ai montré ma chaîne, je leur envoie un message, donc il n'y a plus qu'à attendre. Est-ce qu'ils vont me répondre? Je ne sais pas. Donc au cas où, si vous regardez cette vidéo, franchement, un partenariat avec vous, ça me ferait extrêmement plaisir, parce que de 1, ça me fera évoluer la chaîne. De 2, comme je l'ai dit, quand je leur envoie un message, ça ne me dérange absolument pas de passer mon compte Instagram que pour leur faire de la pub, ça ne me dérange vraiment pas. Ma chaîne YouTube, j'aimerais qu'elle passe en mode Shadowgun Wargames, alors pas à 100%, je voudrais qu'il y ait énormément de vidéos Shadowgun Wargames, mais que de temps en temps, ça change du contexte, qu'il y ait d'autres vidéos comme je fais d'habitude, mais qu'elle soit vraiment pas basée sur Shadowgun Wargames, mais que le plus de contenu soit sur ce jeu. Donc voilà, je leur ai envoyé, il n'y a plus qu'à attendre, voir leur réponse, voir s'ils me répondent. Et franchement, en plus je ne demande rien, je demande ni argent ni rien, c'est juste que ça me plaît, c'est un jeu qui me plaît, donc j'ai envie de le faire évoluer. Le seul truc que je demande, c'est peut-être de temps en temps qu'ils m'envoient quelques informations sur le jeu, que je puisse faire une vidéo dessus, de présentation, comme une future mise à jour ou un futur truc qui va arriver sur le jeu. Voilà, juste ça que je demande et que je puisse du coup informer ceux qui me suivent en avance. Donc voilà. Donc du coup, on va repasser au thème du sujet. Qu'est-ce que va être ce projet? Alors ce projet, c'est un truc que je fais personnellement. C'est, on va appeler ça une encyclopédie Shadowgun Wargames. Pourquoi une encyclopédie? Parce que je vais essayer de regrouper un maximum d'informations sur le jeu, sur des astuces, les personnages, comment les jouer, leur histoire, leurs atouts, leurs compétences... tout ce qu'il faut savoir sur le match à mort, comment jouer le match à mort, capture, enfin bref, vraiment un espèce de gros pot pourri, donc une encyclopédie avec le plus d'informations possible sur Shadowgun Wargames. Je compte évoluer, de continuer ce truc, parce que vu que le jeu est sorti il n'y a pas longtemps, il y aura de futures mises à jour, donc de futurs, peut-être des futurs héros, des futurs modes de jeu, des futurs... je sais pas moi, plein de trucs, et du coup en fait j'essaierai de mettre à jour au fur et à mesure cette encyclopédie. Malheureusement la seule façon que j'ai trouvé pour le mettre à jour, ça sera de le retélécharger et de supprimer l'ancienne. C'est pas très grave, donc voilà. Donc là je vous montre vite fait sur mon ordi à quoi ça ressemble. Alors je vais pas m'éterniser dessus pour vous garder un peu la surprise. Ce que vous allez voir, c'est loin d'être fini, je n'ai fait que le début. Et j'ai commencé un personnage et c'est déjà, ça commence à être assez volumineux et j'ai pas encore fini, il manque encore tous les personnages, les modes de jeu, enfin bref, ouf. Je vais juste vous montrer un peu ce qu'il y a. Donc voilà, ça se présentera comme ça, donc un format PDF. Normalement c'est censé passer sur tous les ordi. Si vraiment je vois que pour certaines personnes ça ne marche pas, j'essaierai de mettre d'autres versions pour que vous puissiez la télécharger. Évidemment ça sera gratuit, je ne demanderai absolument rien. La seule chose que je demanderai qui me ferait plaisir, c'est un petit abonnement et un pouce bleu. C'est le seul truc que je demande, ça je le fais vraiment pour vous, pour la communauté de Shadowgun Wargames. Je le fais en étant un grand fan de ce jeu.
Donc voilà, ça sera totalement gratuit, il n'y aura absolument rien à faire si ce n'est pour me récompenser un abonnement et un pouce bleu, c'est le seul truc que je demande. Donc voilà, ça se présentera de cette façon. Là, alors entre guillemets, c'est la version brouillon que je suis en train de faire. Version brouillon et finie, parce que là, le début, normalement, c'est la version un peu finale, mais il faut que je retravaille, que je corrige les fautes, machin. Mais voilà, ça en gros, ça ressemblera à ça, ça se présentera comme ça. Donc là, à peu près, ce qu'il y aura dedans, ça, c'est vraiment le strict, on va dire le strict minimum qu'il y aura. Ça se peut qu'il y aura nettement plus. Vous voyez, même là tout à l'heure en écrivant, j'ai rajouté d'autres trucs, que ce soit les contrôles et les paramètres. Donc au fur et à mesure, la liste va s'agrandir et il y aura de plus en plus de contenu. Donc voilà, on aura le jeu, les personnages, les modes, lien avec le pass de combat, des astuces et les paramètres du jeu. Alors ça, je pense, là il y a une petite erreur qui va, donc je vais tout corriger, vous en faites pas, mais en gros, ça ressemblera à ça. Vous allez voir. Donc voilà. J'ai fait vraiment de mon mieux, je fais vraiment de mon mieux pour vous expliquer un maximum. Je vous mets des trois images, des trucs comme ça, avec quelques... voilà. Enfin bref, donc là, ça sera les présentations de personnages. Voilà. J'essaie vraiment de vous faire au mieux, au plus simple et au plus qualitatif, on va dire. Je sais que c'est pas au point d'être comme un livre, une vraie encyclopédie, mais voilà, je pense que ça arrangera. Donc voilà, sur ce... je vais vous montrer que ça, j'ai pas envie de tout vous montrer, de vous spoiler le truc. Comme je l'ai dit, ça sera gratuit. Vous pourrez le télécharger comme vous voulez, vous pourrez le partager, en faire ce que vous voulez. Je voulais le mettre au début sur Utip. Donc Utip, c'est une plateforme pour regarder des pubs et gagner de l'argent, mais malheureusement, je ne suis pas majeur. Donc je n'ai pas envie de prendre le risque de s'inscrire sur un site comme ça. Donc voilà, je verrai, je le mettrai sur des liens, sur je sais pas comment, Mediafire ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, un truc le plus simple possible pour le télécharger. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Là, je vous demande sincèrement dans les commentaires si vous avez regardé cette vidéo, si ce projet vous plaît. Parce que si je vois franchement que cette vidéo marche pas, que le projet vous plaît pas, ça m'embêterait de continuer pour rien. Je le continuerai, ça c'est sûr, pour moi, parce que ça me ferait plaisir. Ça me fait plaisir plutôt. Donc voilà, si vraiment ce projet vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Il va pas sortir tout de suite parce qu'il est loin d'être terminé, donc il sortira pas tout de suite. Je vous dirai quand il sortira, il restera en description. Donc voilà, après plus tard si vous avez 2-3 améliorations à me dire dans le jeu, 2-3 trucs à rectifier, vous me le dites, je vais prendre en compte. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, si ce projet te plaît, abonne-toi, ça me ferait extrêmement plaisir. Il manque plus que 10 abonnés pour atteindre les 100, je sais qu'on peut le faire, je sais que voilà, je le demande, mais voilà, 100 abonnés c'est entre guillemets pour moi ça sera énorme, mais au vu de YouTube c'est pas beaucoup, donc voilà, juste 10 abonnés de plus ça me ferait extrêmement plaisir, je sors du contenu le plus souvent possible. En plus, en ce moment, il y a le confinement, donc j'essaie vraiment d'en sortir plus. En parlant de confinement, restez bien confinés, c'est les règles, hein. Restez chez vous, ne faites pas les andouilles à sortir dans la rue. Respectez bien les règles, comme ça, tout se passera bien, je peux vous souhaiter que ça. Donc, je vous souhaite passer une bonne journée, et aussi une bonne santé, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!